Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être à cette table ronde sur amener une dimension communautaire donc dans votre organisation. Nous allons beaucoup parler d'open data et de communauté. Voilà. Donc, je me présente, je suis Benoît Simard, je suis membre de l'association Libertique, qui est une association nantaise dont le but est de promouvoir l'open data et l'e-démocratie. Voilà. Nous avons parmi nous trois acteurs. Ah, voilà. Ah, de toute façon, c'est écrit là. Voilà. Donc, je vous présente Jean-François, Jean-Michel, pardon, Jean-Michel François. Forcément. Ouais. Je te laisse te présenter en deux mots, comme ça sera plus. Ouais. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je travaille pour la société Atreal. On développe des logiciels libres pour les collectivités. On utilise énormément l'open data. On essaie d'y contribuer aussi à nos heures perdues, forcément. Voilà, on développe des solutions. Moi, ma spécialisation, c'est sur la gestion des services techniques. Donc, logiciels libres, forcément, et donc connaissance du patrimoine. Donc, on se rapproche d'acteurs comme l'IGN ou OpenStreetMap pour travailler sur la connaissance du territoire avec nos clients. Donc, voilà pour ma partie. Voilà. Donc, à côté, nous avons Gérard Lebert de Nantes Métropole. Bonjour à tous. Donc Gérard Lebert, moi je suis en charge du projet Open Data pour Nantes Métropole. Donc quand on dit Nantes Métropole, c'est Nantes Métropole et Ville de Nantes et toutes les communes en fait de la métropole. Donc très concrètement, ça veut dire assurer le lien avec les différentes directions de la ville, de la métropole, qui gèrent des données pour les mettre à disposition de tous sur notre portail. Et puis c'est toutes les activités connexes à l'open data, parce que mettre le doigt dans l'open data, c'est aussi mettre le doigt dans plein d'autres choses, plein d'autres activités transversales. Donc voilà, Voilà. ce qui me concerne. Et donc, à côté, nous avons Christian Quest, donc là qui a deux casquettes. Donc, je te laisse te Oui, deux casquettes. Alors, laquelle était La la première, première, c'est OpenStreetMap. et c'est historiquement, c'est exact. Donc, OpenStreetMap France, donc qui est le projet de cartographie libre et collaboratif. Et donc, OpenStreetMap France, une association loi 1901 qui fait la promotion du projet, donc qui permet aux collectivités, par exemple, aux entreprises, d'avoir un point de contact, parce que on parle de dimension communautaire, une communauté, c'est pas toujours facile à identifier, et donc une association, ça permet de faire le relais entre des centaines, des milliers de personnes, et puis voilà, des acteurs établis. Et puis, depuis un an à peu près, je travaille pour la mission Etalab, qui s'occupe entre autres du portail Open Data National, mais qui s'occupe pas que de ça, qui s'occupe aussi de l'Open Government, qui s'occupe des Open Models. Alors ça, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais on pourra aussi en parler, parce qu'il y a aussi une dimension communautaire là-dedans. Parfait, merci. Je vais faire un petit sondage dans la salle. Qui n'a jamais entendu parler d'Open Data? D'accord, donc ça me rassure. Qui n'a jamais entendu parler d'Italab? Ça. Ah, quand même. Voilà. Oh là 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 là. Voilà. Donc il reste du travail à faire Oh là, je vais leur en parler. Ben, justement, qu'est-ce qui a été. Parce que donc là, à la table. Voilà, je ne sais pas si c'était le Excusez-moi, on micro. va peut-être couper un microphone. C'est celui-là. Donc nous n'avons qu'un seul micro qui marche. Je vais le passer. Car donc à la table, nous avons deux producteurs de données qui sont Nantes Métropole et même OSM et Italab. Et à côté de ça, nous avons quelqu'un qui réutilise les données. Donc là, je vais plutôt me tourner vers vous deux. Qu'est-ce qui a l'initiative de l'ouverture des données, que ce soit pour un pays ou à l'initiative d'OpenStreetMap? Alors donc, pour ce qui concerne Nantes Métropole, en fait, le projet d'ouverture des données publiques a démarré en 2011 à l'initiative en fait, de Jean-Marc Ayrault qui souhaitait que la collectivité publie ses premiers jeux de données. Donc, le démarrage a eu lieu en 2011. Donc, il y a une équipe pluridisciplinaire qui s'est mise en place en fait, pour ouvrir une première version du portail. Chose qui a été faite fin de l'année 2011. Sachant, je le rappelle, hein, si vous ne savez pas, que la première collectivité en France à avoir ouvert ces données, c'était Rennes Métropole. Donc voilà, et puis donc ça a été donc une initiative politique à l'origine, sachant que depuis, il y a quand même eu, le projet a quand même beaucoup évolué, puisque le projet Open Data pour Nantes Métropole est un projet désormais mutualisé avec le département de Loire-Atlantique,
et la région Pays de la Loire. C'est une des spécificités de notre projet Open Data local, c'est-à-dire que vous retrouvez en fait sur une seule et unique plateforme les données des différents échelons territoriaux. En fait. Alors, là, je vais vous répondre pour Etalab. Donc, Etalab, la mission a démarré en 2012, je crois. Et ce sont des directives au niveau du Premier ministre qui ont poussé à libérer de la donnée, à mettre de la donnée à disposition. Il y a souvent deux aspects derrière ça. Un aspect déjà de transparence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de données en fait qui sont naturellement, qui devraient être naturellement accessibles à tout citoyen. Elles ne le sont pas toujours. Il y en a certaines qui sont très difficiles à rendre souvent accessibles aux citoyens. Je pense entre autres aux données financières. Voilà, on commence par de la donnée géographique, on commence par un certain nombre de choses. Puis petit à petit, on rentre dans des sujets un petit peu plus durs. Donc la mission Etalab. Son rôle, c'est de pousser les différents services de l'État à publier de la donnée. Et en fait, on s'est aperçu assez tôt aussi, chose intéressante, c'est que ça a permis au sein de l'État une meilleure utilisation des données qui existaient. Parce que souvent, les administrations, quand un service d'un ministère avait besoin de données d'un autre service d'un ministère, il fallait que ça remonte toute la hiérarchie pour que ça redescende de l'autre côté, pour que ça remonte, bon, vous imaginez le truc. Alors que si chacun des services publie sur le portail Open Data National ses jeux de données, eh ben, l'autre service peut aller se servir sans avoir à demander, à signer des conventions, etc. etc. Donc voilà pour la première motivation, donc transparence. Deuxième motivation aussi, c'est... Il y a sûrement de la valeur latente dans ces données que les administrations, l'État ou les collectivités ne savent pas forcément exploiter, révéler. Et plutôt que ces données moisissent sur une étagère ou au fond d'un disque dur, mettons-les à disposition. Ça ne coûte rien de les copier, elles sont déjà produites. Et puis on verra. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes qui seront faites avec ça. Peut-être qu'il n'y aura rien qui sera fait avec ça. Et bien, ce n'est pas grave. De toute façon, en principe, ça n'a pas coûté grand-chose de les mettre à disposition. Alors pour OpenStreetMap, c'est un peu différent. En fait, OpenStreetMap existe parce qu'il n'y avait pas d'open data. Ça a été créé par un étudiant anglais parce qu'il avait besoin pour son projet d'études de données cartographiques. Il n'arrivait pas à accéder aux données qui étaient produites par l'Institut géographique britannique, qui s'appelle l'Ordnance Survey, qui est un peu l'équivalent de notre IGN. Et donc, avec des copains, beaucoup de cyclistes d'ailleurs, ils ont démarré ce projet, se dire, eh ben, on va utiliser des GPS, on va... Bon, c'était complètement utopique, et ça a marché. C'est ça qui est magnifique. Donc, c'était en 2004, c'était avant que Google Maps existe. Donc, vous voyez, on n'a même pas, en créant OpenStreetMap, on n'a même pas cherché à copier Google ou je ne sais trop. C'est venu avant, quoi. Donc, OpenStreetMap, pour moi, ce n'est pas de l'open data, c'est de la donnée libre. Mais ce n'est pas de l'open data dans le sens que ce n'est pas de la donnée publique qui est mise à disposition du citoyen ou des entreprises. C'est vraiment de la donnée qui est produite par des citoyens. Voilà. Et parfois, c'est l'État qui l'utilise. Donc c'est très intéressant parce que tu commences à faire une distinction entre l'open data et la provenance de la donnée. Est-ce qu'elle vient du public, est-ce qu'elle vient d'une communauté, etc., ou du privé ? Voilà. Pour moi, c'est un débat philosophique après, parce que pour moi, c'est vraiment une licence avant tout et le pouvoir de réutiliser la donnée. J'ai noté deux aspects très intéressants. C'est parce qu'on va revenir au sujet sur les communautés justement. Tu as parlé d'une part des communautés internes qui a permis de faire tomber certaines barrières. Voilà, donc je suppose qu'il y a eu des communautés en interne qui sont créées, ou en tout cas il y a eu des échanges, et aussi l'autre pendant qui sont les communautés plus externes, qui sont les réutilisateurs de données. Donc là on a vraiment les deux. Donc d'un point de vue sur Etalab ou sur Nantes Métropole, quels sont les aspects positifs justement de ces barrières qui sont tombées au sein de vos collectivités ou des ministères ou de l'État? Alors, en termes de réutilisation, comme le disait Christian, c'est vrai que chez nous, c'est la même chose. L'ouverture des données publiques, c'est vraiment un moyen, c'est peut-être pas l'objectif initial, mais c'est un moyen de décloisonner les choses. C'est un moyen d'introduire la transversalité.
Et quand on parle de données, c'est aussi un moyen d'améliorer la qualité des données. Entre le fait d'utiliser une donnée pour ses propres besoins, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, et le fait de les ouvrir à tous et de les rendre disponibles vers l'extérieur, en général, il ne faut pas se leurrer, la première réaction, c'est une réaction de défense. On n'a pas forcément envie de partager sa donnée avec tout le monde. En tout cas, c'est souvent la réaction des services. Et donc, entrer dans une démarche d'open data, c'est aussi s'astreindre à contextualiser une donnée, ce qui est super important, ce qui n'est pas forcément systématique au sein des services. Et donc, moi, j'insiste beaucoup sur cet aspect-là, c'est-à-dire que ça va, outre l'aspect transversalité, ça va surtout obliger les gestionnaires de données à contextualiser leurs données, à définir un contexte d'utilisation, les limites dans lesquelles on peut les utiliser. Et donc ça, c'est vraiment important pour l'aspect interne. Alors après, évidemment, tout comme il l'indiquait tout à l'heure, notre souhait aussi, à terme, c'est que on puisse effectivement limiter les barrières de réutilisation des données et que la collectivité elle-même et les services soient utilisateurs des données qui sont ouvertes. Parce que, voilà, au sein de métropole, c'est pareil. Il y a des jeux de données, on va dire, qui sont multiples, parfois qui se recoupent partiellement, peu ou prou. Voilà, l'important, c'est de disposer aussi d'un espace qui permette de partager ces éléments. Et pour l'externe, notre objectif, c'était un des objectifs initiaux assignés à ce projet. Il y avait la partie information du citoyen et il y avait la partie développement économique. Très honnêtement, l'open data, au bout de 3-4 ans de recul, la partie développement économique reste, on va dire, à concrétiser. C'est pas vraiment démontré. Toutefois, la réutilisation, en fait, ça permet surtout, dans notre esprit, de donner la possibilité de créer de nouveaux services pour les usagers. C'est vraiment un des axes sur lesquels on est resté. Il y a un nouveau plan d'action, par exemple, à l'échelle de Mende Métropole qui a été défini pour le sujet de l'open data. Et dans ce plan d'action figure toujours l'objectif de faire en sorte que les données qui sont ouvertes et notre démarche facilitent en fait la création de services pour les usagers. Donc ça, c'est vraiment un point important pour nous. Alors, pour l'utilisation interne je pense que c'est surtout du désilotage. Il y a plein de silos dans les administrations et qui, malheureusement, souvent, font la même chose. Alors vous avez deux services qui ne se connaissent pas et qui produisent à peu près la même donnée. Souvent, ils ont du mal à aller au bout du sujet, à être complètement à jour, à avoir la meilleure qualité. Et le fait de pouvoir travailler ensemble, c'est-à-dire d'unir les efforts, ça permet soit que chacun fasse moins d'efforts pour obtenir le même résultat, ça c'est pas mal, donc ça génère des économies, ou bien ça permet autre chose, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout du sujet. Moi, je travaille sur un gros projet qui s'appelle la base adresse nationale. Cette base, c'est un truc tout bête, c'est connaître toutes les adresses qui existent sur le territoire français et connaître leur position géographique. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, il y a de multiples services, de multiples administrations, des opérateurs, y compris des entreprises privées, qui se sont créés des bases de ce type-là. Ils ne travaillent pas ensemble, personne n'arrive au bout du sujet, mais si on arrive à tous les faire travailler ensemble, et donc à créer une communauté pour constituer cette base, l'entretenir, la maintenir, l'améliorer, l'enrichir, etc. Chacun aura moins de travail à faire, il bénéficiera du travail des autres, et on aura une base qui sera beaucoup plus complète et de meilleure qualité, plus rapidement à jour, etc., etc. Voilà, ben ça, j'y travaille tous les jours. C'est pas gagné, c'est un gros boulot, mais c'est là où je pense que vraiment travailler sous une forme collaborative et donc en communauté, c'est unir ses efforts pour obtenir un meilleur résultat plus rapidement et souvent à moindre coût. Qu'il est vrai que quand on parle d'open data et d'ouverture des données du public, la première chose qu'on entend, c'est
le retour économique et que ça va pouvoir créer de l'emploi et donner de la valeur. Là, ce qui est intéressant, c'est l'argument qui revient fréquemment, en tout cas qui revenait. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça crée surtout, c'est utile en interne et que ça permet donc de faire tomber les barrières et, comme tu l'as dit, de créer des communautés et que chacun s'entraide à améliorer ces données. Donc là, tu nous as donné le projet Banno. Je ne sais pas s'il en existe au sein de Nantes Métropole ou si tu en as vu au sein de collectivités. Est-ce qu'il en existe d'autres? Parce que ces retours-là, en fait, on ne les a pas forcément en tant que citoyen. Voilà. Parce que c'est de l'interne, ce n'est pas de l'externe. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Alors, il y a d'autres exemples où les collectivités ont pu des communautés par rapport à ces... Je crois qu'il n'y a plus de piles. Par exemple, la cartographie de l'accessibilité pour les personnes handicapées, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et c'est assez facile de mobiliser les gens sur un sujet comme ça. Donc ça a été fait à plusieurs endroits et les résultats sont vraiment très très intéressants. Donc il y a eu Montpellier qui a travaillé là-dessus. Je pense qu'il y a eu des choses faites à Nantes. Voilà, c'est tout récent. Voilà. Il y a d'autres données qui ne sont pas forcément produites par la puissance publique où justement les communautés citoyennes peuvent venir compléter ce travail. C'est la semaine dernière sur Nantes, il y a eu une cartopartie géante pour géolocaliser tous les endroits où on peut laisser un vélo, accrocher un vélo. Donc ça permettra d'avoir un jeu de données beaucoup plus complet que ce qui pouvait exister. Et puis là, de produire encore des choses qui sont utiles. Et là, on voit aussi que le citoyen, justement, le côté fournir des données qui vont permettre d'apporter un service aux citoyens, ben, parfois les citoyens se saisissent eux-mêmes du sujet parce qu'ils se disent ben, « moi, j'ai besoin de ce truc-là, donc je le fais ». J'attends pas que la puissance publique le fait et je le fais. C'est bon, c'est ce qu'a fait lancer OSM. On avait besoin de données, on n'y avait pas accès, donc on les a créées. Et ça, c'est aussi possible parce que on a des outils technologiques qu'on a tous dans notre poche. Maintenant, tous les smartphones ont un GPS. On peut donc faire énormément de choses alors qu'il y a une dizaine d'années, on n'avait pas tous un GPS dans la poche. Voilà, ça permet à n'importe qui de devenir un contributeur, un collecteur d'informations pour alimenter collaboratif comme OSM ou ça peut être comme Wikipédia ou Open Food Facts pour ceux qui si vous ne connaissez pas ce voilà Open Wine, Mapillary, si vous ne connaissez pas, c'est pareil. Tout ça sont des projets justement qui sont ouverts, collaboratifs, communautaires et où l'idée, c'est vraiment que tout le travail fait par chacun est réutilisable par tous. Si je peux juste dire un mot, effectivement, sur la dimension croisement des communautés. C'est vrai qu'on a expérimenté notre première cartopartie à Nantes le week-end dernier, dans le cadre de la Digital Week. Donc il s'agissait effectivement de répertorier en fait, les appuis vélos sur des secteurs qu'on avait prédéfinis avec l'association OpenStreetMap. Et un des intérêts, outre les résultats quantitatifs qu'on a obtenus, qui sont vraiment intéressants en une journée, un des intérêts, c'est aussi de croiser justement la communauté des contributeurs OpenStreetMap locaux avec les services de la collectivité, avec une autre association qui milite en fait pour l'usage du vélo qui s'appelle Place au Vélo, et des citoyens qui ne connaissaient pas forcément le sujet, mais qui sont venus, qui ont répondu présent à l'appel. Et voilà, on va enrichir la donnée. Bien sûr, elle est immédiatement disponible dans la base OpenStreetMap. La collectivité va aussi les récupérer pour alimenter ce SI. Parce qu'il s'agit aussi pour nous, un des intérêts pour nous, c'est que les services puissent s'en servir et qu'on pérennise et enrichisse cette donnée. Et bien évidemment, on va la reverser sur le portail Open Data très rapidement. Jean-Michel, toi qui aides les petites communautés, enfin les collectivités à rentrer dans le numérique et l'open data, quels sont les freins ou en tout cas les arguments que tu vois avec eux pour justement promouvoir l'open data et les convaincre pour qu'ils viennent? Parce que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas... Et ce serait intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Donc oui, en effet. Alors
nous, quand on arrive sur une collectivité avec nos logiciels, déjà, c'est pour rendre un service. C'est-à-dire que la collectivité a besoin de cet outil pour travailler. Sauf que cet outil a besoin de données pour fonctionner. Donc, le premier frein, c'est de dire, moi, je suis dans la gestion des services techniques, donc on intervient sur des lieux. Déjà, est-ce que vous avez une base de données des lieux où vous intervenez? Souvent, la réponse est non. Donc, dans ces cas-là, on ouvre un petit onglet magique et on dit, regardez, vous connaissez OpenStreetMap? Non? Bon. Eh bien, écoutez, grâce à ça, nous, notre outil, c'est s'interfacer avec et c'est télécharger, par exemple, toute la voirie. Donc, si vous avez un service voirie ou si vous gérez la voirie, nous, en un clic, on importe les données de la voirie. Donc, on rend un service à la collectivité en faisant ça. Du coup, on la sensibilise aussi au fait que cette donnée existe et qu'elle peut y contribuer, qu'elle peut modifier cette donnée, que cette donnée, elle peut s'en servir. Voilà, donc là, j'ai parlé de la voirie, mais ça va aussi sur les bâtiments. Est-ce que vous connaissez la liste des ERP de votre collectivité? Souvent, la réponse est, on en a une vague idée. Alors, ERP, oui, c'est établissement recevant du public. Donc, il y a tout un tas de lois autour des ERP. Il faut savoir que le maire est responsable de la sécurité des ERP. S'il y a un incendie pour une raison X ou Y dans un ERP et qu'on s'aperçoit que les normes n'étaient pas respectées, c'est le maire qui va en prison. Donc, il y a véritablement... D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un cas en France cette année. Et donc là, en ce moment, on s'est rapproché de l'IGN qui est en train d'ouvrir une base ouverte des ERP. Donc, c'est très récent. On est en train de travailler avec eux sur l'intégration de cet outil. Sachant qu'effectivement, après, au niveau OpenStreetMap, les ERP ne sont pas encore facilement récupérables. Enfin, en tout cas, moi, je n'en ai pas vu beaucoup. Enfin, ce n'est pas très bien renseigné, contrairement à la voirie. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a des jeux de données qui apparaissent. Il y a des efforts qui sont faits, ce qu'on disait, dans la contribution. Et nous, ça nous permet de rendre le service. Donc, d'un autre côté, on a aussi un logiciel qui encadre ces lois et qui permet à la collectivité de contrôler ses ERP, de savoir qu'elle doit faire un contrôle ou qu'elle est aidée dans le cadre de ce contrôle-là. Donc voilà, donc nous, c'est vraiment là-dessus, nos arguments, c'est vous avez besoin de fonctionner, mais vous n'avez même pas les données, en fait, finalement, sur lesquelles vous travaillez. Donc voilà, alors il y a souvent aussi le cas du service SIG qui a déjà la donnée, mais dans des formats propriétaires, pas vraiment réutilisables, etc. Donc ça coûterait très cher d'importer ces données-là dans notre logiciel, beaucoup plus que quelque chose qui existe déjà, qui est ouvert et qui est disponible. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que pour l'instant, on a parlé de données qui va descendre de la métropole, de l'État, etc., alors que des collectivités vers les citoyens. Alors que là, d'après ce que tu nous as décrit, c'est l'inverse. Tu réutilises les données qui sont en libre accès et que tu mets à disposition de la collectivité. La collectivité ne sait même pas que ces données existent, en fait. C'est ça qui est magique. C'est très intéressant quand on commence à voir un cercle vertueux se mettre en place. Je vais faire un complément sur la base, le projet de base ERP. C'est un projet qui a été en partie, on va dire, initié par Etalab, où on en a parlé à l'IGN et on les a aidés à monter ce projet, justement avec une dimension communautaire et collaborative, parce que c'est pas une culture naturelle qu'on a chez beaucoup d'opérateurs de l'État ou beaucoup de services de l'État. Donc amener cette culture d'ouverture, de collaboration et de communauté, c'est extrêmement important. Et le côté communauté dans le cadre d'OpenStreetMap, souvent je suis obligé d'expliquer que la valeur d'OpenStreetMap, ce ne sont pas ses données, c'est sa communauté. Parce que si aujourd'hui vous supprimez toutes les données OpenStreetMap, je les connais les gars, ils recommencent. Alors que si pour une raison X ou Y, il n'y avait plus la communauté pour entretenir les données, dans 2-3 ans, on n'en parle même plus de ces données. Elles ne seront plus à jour, elles ne seront pas entretenues, elles auront perdu tout leur intérêt. Donc la richesse, elle est bien dans la communauté. Dans les logiciels libres, c'est quelque chose qu'on connaît bien ça aussi. Parce que les logiciels libres, vous avez le logiciel, mais s'il n'y a personne pour le maintenir, s'il n'y a personne pour le faire évoluer, ce logiciel, il meurt. Donc, on est dans la même logique qu'une plante. Il faut l'entretenir, il faut l'arroser, il faut s'en occuper.
Et tous ces projets, que ce soit des projets de données, des projets de code, etc., si vous n'avez pas une communauté derrière, il ne faut pas partir dans ces directions-là. C'est-à-dire, vous pouvez trouver des logiciels qui sont géniaux, mais s'il n'y a personne derrière, ils n'iront pas très loin. Et justement, est-ce qu'il y a des aides pour les communautés ? Enfin, comment vous gérez les communautés ? Parce que donc là, on a des producteurs de données qui mettent à disposition, mais il y a bien un moment, il y a les réutilisateurs qui prennent ces données et ils ne vont pas être laissés tout seuls. Il y a bien un moment où ils ont des retours à faire sur ces données, où ils ont besoin de partager, de se rencontrer, de se retrouver, d'échanger, enfin justement de faire ces communautés. Une plateforme web, c'est très bien pour mettre à disposition les données, mais ce n'est pas ça qui permet justement la création de ces communautés. Donc, quels sont les outils que vous mettez à disposition ? Je peux en dire un petit mot pendant le Métropole, en fait. Notre plateforme permet en fait, par l'intermédiaire d'un forum, d'échanger en fait sur les données qui sont ouvertes, à savoir mentionner un problème lorsqu'il y en a, poser des questions pour que de nouveaux jeux de données soient mis à disposition. Mais c'est vrai que la plateforme, le forum, il répond pas complètement à la question. Et de ce côté-là, très humblement, on sait qu'on a des progrès à faire justement pour créer l'occasion. En fait, pour faire en sorte que justement les réutilisateurs se rencontrent, échangent entre eux, parce que voilà, c'est la rencontre de ces communautés qui va améliorer les services potentiels, et que nous aussi on les rencontre, c'est-à-dire que les directions gestionnaires des données rencontrent aussi les réutilisateurs, parce que c'est par ce biais-là en fait que je pense que les choses vont progresser. Et très honnêtement, la puissance publique ne peut pas tout. Donc voilà, il s'agit aussi de se tourner vers, de s'orienter, ça j'en ai la conviction, vers justement une pluriproduction, une coproduction de données. C'est important en fait qu'on aille dans ce sens-là, je pense. Alors, pour rebondir là-dessus, c'est aussi les mentalités, parce que moi j'ai beaucoup travaillé aussi pendant Métropole sur la réutilisation des données, et souvent on découvre des bases de données qu'on n'avait pas imaginé exister, comme par exemple la base de tous les commerçants nantais, sur tout le territoire, le département, pardon, avec les horaires d'ouverture, etc. Et là, on se confronte plutôt à cette base de données, elle m'a coûté cher à constituer, je dois la monnayer, très très cher, voilà, c'est ça, il y a des gens qui se déplacent, qui vérifient les horaires, qui vérifient si le magasin existe encore, etc. Ça coûte très cher à faire, et ça sert, pour l'instant c'est vendu pour faire des études, expliquer que dans telle zone il y a plutôt tel type de commerce, etc. Et ça c'est le genre de base de données, quand on les découvre on se dit, waouh, mais je veux mettre ça dans OpenStreetMap, quoi. C'est vraiment ce serait rêvé, quoi. Voilà, et en fait on se rend compte que là on est bloqué plutôt sur un aspect technique, c'est-à-dire monétaire. Comment réagir à ça, quoi. Donc, il y a une question dans le public, non ? Non, c'est produit par notre métropole. Données, elles appartiennent aux citoyens. Alors, pour le coup, c'était pas notre métropole. C'était le département, mais par un organisme public. Voilà, exactement. Le même, quoi. Toute donnée publique est déjà payée une fois. Tout à fait. Ça, c'est déjà, donc il y a la loi CADA 78, on peut l'utiliser. Et puis surtout, elle a coûté très cher parce qu'elle a été faite dans un silo, alors que ça, c'est fait ailleurs. L'INSEE fait la même chose. Vous avez sûrement la Chambre de commerce qui fait peut-être la même chose. Vous avez sûrement la Direct, qui est la direction des études économiques, machin et tout, un service déconcentré d'État, qui fait sûrement la même chose. Et voilà, donc chacun dit, ouais, mais ça coûte super cher. Mais oui, mais travaillez ensemble, les gars. Et ça va à tous vous coûter moins cher. Elle sera sûrement plus à jour, parce que je suis persuadé qu'elle n'est pas à jour. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est là où il faut arriver à faire changer les mentalités. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Alors, sur le côté communautaire et remonté, j'ai deux réponses. Comment on fait pour animer les communautés, en fait ? Voilà, c'était un peu ça, ta question. Donc, au niveau d'OpenStreetMap, ben, il y a, on va dire, ça s'est auto-organisé. C'est-à-dire qu'il y a des forums, il y a une mailing list, il y a des canaux IRC, enfin, il y a plein d'outils qui nous permettent de communiquer. Voilà. Là, je change de casquette, je mets la casquette Etalab. Si vous avez un peu suivi l'évolution du portail data.gouv.fr, la première version, c'était un grand catalogue de données. Et ça n'était qu'un grand catalogue de données. Et avec une sorte de course aussi au compteur, on a 300 000 jeux de données, machin et tout. Bon, voilà. Donc ça, c'était un peu
la version 1 de data.gouv. La version 2 de data.gouv, elle a été co-redesignée avec des communautés de contributeurs, avec, moi j'y ai participé en tant qu'OpenStreetMap. Il y a eu des gens de Wikipédia qui sont venus, il y a eu des gens de plein d'autres associations qui sont venus et qui ont suggéré tout un ensemble de choses. Et ce qui a été retenu, c'est une plateforme qui est beaucoup plus communautaire, beaucoup plus ouverte, où en fait vous avez des jeux de données qui proviennent d'administration, donc source administration, certifié, ministère, machin chose, mais vous avez aussi un compte OpenStreetMap dessus. Et donc, vous allez trouver aussi des données qui proviennent d'OpenStreetMap. En dessous du jeu de données officiel, vous pouvez avoir une liste de réutilisations qui ont été faites par la communauté, donc plutôt le côté réutilisateur, mais vous avez aussi des jeux de données enrichis qui peuvent être proposés par la communauté. Par exemple, vous avez une administration qui vous a mis un fichier dans un format qui est difficilement exploitable. Je ne citerai aucun format, comme ça, je suis sympa. Et quelqu'un a pris le temps de reprendre ce fichier mal fichu pour en faire quelque chose de beaucoup plus facile à utiliser. Et donc, il le republie comme une version enrichie, améliorée, une version qui reprovient de la communauté. Donc, et ça, ça permet vraiment d'avoir une action entre les gens qui vont manipuler la donnée, les gens qui vont la produire, et voilà, et on fait des allers-retours entre les deux. Il y a aussi des discussions qu'on peut lancer sur un jeu de données pour signaler une erreur, pour signaler quand est-ce que vous mettrez à jour ce jeu de données parce que ça fait 3 ans que vous l'avez pas mis à jour, ou ce genre de choses. Donc, et les producteurs reçoivent tout ça sous forme de mail, sous forme de flux RSS, etc. Et donc, ils peuvent suivre la vie de leur jeu de données. Donc ça, c'est un énorme effort qui a été fait avec la version 2 de la plateforme data.gouv.fr. Version qui, en plus, fonctionne, qui est complètement ouverte avec une API qui permet, par exemple, à des collectivités d'utiliser la plateforme nationale pour publier ces jeux de données. Et de façon complètement automatique. On n'a pas besoin de passer par tous les formulaires, tous ces trucs-là. On a des systèmes de moissonnage qui vont venir automatiquement récupérer la liste des jeux de données qui sont publiés à certains endroits pour les refaire apparaître sur le portail national. Parce que ça peut être ça, un des problèmes, je dirais, aujourd'hui avec l'open data, c'est le morcellement qu'il peut y avoir. C'est-à-dire, il y a des données qui existent, mais on ne sait pas où. Et en fait, il y a tellement de jeux de données qui existent que si on n'a pas un endroit plus ou moins unique où on peut faire une recherche, ben on ne sait même pas que le portail open data de telle collectivité s'appelle comme ci ou comme ça. Donc, vous voyez, c'est ça aussi qui est assez problématique. Imaginez qu'à chaque fois que vous cherchez quelque chose, vous soyez obligé d'utiliser un moteur de recherche bien spécialisé. Ben, pourquoi les moteurs de recherche comme Google fonctionnent? C'est parce que sur le même moteur de recherche, vous pouvez chercher partout. Quoi. Voilà. Et c'est toute la différence, elle est là. C'est vrai que chaque territoire a sa plateforme Open Data qui est propre avec son jeu de données. Et si j'ai envie de rechercher tous les noms et prénoms des nouveau-nés de l'année sur toutes les plateformes en France, je vais y passer ma journée, donc il faut un endroit qui soit centralisé. C'est d'ailleurs ça aussi qui a fait la force d'OpenStreetMap, je pense, car c'est un endroit où tout est centralisé et il y a un outil qui permet de venir l'interroger de manière unique et non pas simplement pour ma ville, mais pour l'intégralité du monde. Et je pense que c'est une grande force comparée à d'autres outils où là, on est encore dans une optique isolée. J'aimerais rebondir sur un projet. Là. J'ai un prospect, on va dire, qui est venu me voir en me disant « Je veux utiliser votre outil, mais par contre, en utilisant la plateforme Ozwillow. » Alors, c'est un nom qui est tombé du ciel, Ozwillow. Je ne connaissais absolument pas. Du coup, bah, j'ai été voir de quoi il s'agissait. Donc, en fait, c'est un projet de plateforme de services où en gros, moi, prestataire de service, je peux intégrer mon logiciel pour qu'il fonctionne avec cette plateforme-là. Cette plateforme, elle permet à n'importe quelle collectivité, puisqu'elle est faite pour les collectivités, c'est un projet européen qui a été fait pour les collectivités, il y a 3 collectivités en France qui sont pilotes avec, et il y a au total 5 pays en Europe qui travaillent sur ce projet-là. Donc la société Atreal y a participé, en tant que donc, fournisseur de services pour les collectivités. En découvrant cette plateforme, en fait, cette approche, je vais juste vous l'introduire, hein, c'est très très simple. C'est un peu comme avec un smartphone, on se connecte, et puis il y a un magasin d'applications.
on clique, ça s'installe. Et dans ce magasin, on trouve de quoi publier des jeux de données open data, de quoi utiliser des services. Et en fait, là, ce qui m'a vraiment attiré avec cette plateforme-là, c'est le fait qu'on essaye d'inciter le producteur du logiciel à aller déposer des données dans un jeu de données central, dans des microformats, pour faire une espèce de base de données ouverte de ces logiciels-là. Donc en fait, tous les logiciels peuvent venir poser des données à un endroit dans des formats bien connus, assez spécialisés autour des collectivités. Donc ça peut aller de la fiche contact basique à un calendrier événementiel. Voilà. Et très très simple à utiliser. Donc on est en train de travailler dans cette dynamique-là, qui va permettre de centraliser les données aussi, pour essayer d'éviter les silos, que chaque logiciel a sa donnée, alors que les logiciels ont besoin de travailler sur des jeux de données équivalents. Là, les données sont centralisées en dehors des logiciels, dans les formats connus. Et j'ai trouvé la dynamique vraiment très intéressante. Donc, je voulais en parler. Je pense qu'en termes de prestataire de services, c'est vraiment très intéressant. Et pour la collectivité, c'est aussi très intéressant de retrouver ces données dans un point central. Voilà. Oui, et le fait de centraliser aussi ces données, ça permet, parce qu'on va créer une communauté sur Nantes, on va créer une communauté sur Rennes, etc. On va aussi, là, forcément, en centralisant les outils ou l'information, on va aussi mettre des ponts entre ces différentes communautés. Moi, j'aimerais revenir sur, tout à l'heure, tu as parlé du feedback et pouvoir signaler une erreur dans un contenu. Et je pense que là, on tient quelque chose qui est très important, qui est justement le retour de la donnée si je vois une erreur. Et justement, vous produisez des données, vous les mettez à disposition. Une fois qu'elles sont à disposition, elles sont utilisées, elles sont des fois corrigées. La licence Open Data, justement, permet de réintégrer ces corrections. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place au sein des collectivités ou des organismes publics. Parce que généralement ce flux-là, il est rarement, il n'est pas prévu. C'est fait pour que l'information descende et non pas qu'elle remonte. Et qu'est-ce qui est mis en place ? Est-ce que c'est difficile de mettre ce flux ? Et est-ce que c'est en cours ? Donc apparemment, oui, sur la plateforme, mais voilà. Sur data.gouv, on peut signaler, enfin. Il y a un espace de discussion sur chaque jeu de données, donc on peut signaler qu'il y a un problème et qu'il faudrait faire telle correction, ce genre de choses. Il n'y a pas de canal de remontée, à part éventuellement on peut republier en dessous un jeu de données corrigé. Ça peut être un nouveau format ou ça peut être... Je vais vous prendre un jeu de données tout bête que je me suis permis de corriger. La base officielle des codes postaux. Bon, il y avait des erreurs dedans. Alors que ça prenait de la poste quand même. Et donc, j'ai republié en dessous une version corrigée de cette base. Et donc, les gens qui viennent chercher la base des codes postaux, ils peuvent prendre le fichier d'origine qui comporte quelques erreurs ou le fichier corrigé qui se trouve en dessous. La poste peut prendre le fichier et corriger le sien aussi. Après, bon, voilà, c'est un problème d'organisation, de culture, etc. Sur la base adresse, Etalab a ouvert donc un portail adresse qui s'appelle adresse.data.gouv.fr et sur ce portail on a développé, alors c'est pas encore public aujourd'hui, mais on a développé une interface de crowdsourcing pour pouvoir faire des remontées, des signalements, des corrections sur des adresses qui seraient mal placées ou avec un libellé qui serait pas bon ou bien des adresses qui manqueraient. Et on est en train de justement d'établir le câblage derrière cette interface très simple qui est destinée au grand public pour que la donnée qui arrive par ce canal-là puisse être exploitée par la Poste pour mettre à jour ses bases et aussi par l'IGN pour mettre à jour ses bases. Donc moi, j'ai pu développer le canal qui fait que ça retombe directement dans OpenStreetMap et ça signale aux contributeurs OpenStreetMap que là, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait un problème. Parce que moi, j'ai l'habitude du crowdsourcing. J'ai pu le développer. Ça m'a pris une demi-journée. Crac, crac, on a fait le truc et puis on ne s'est pas posé de questions, quoi. Le process d'intégrer la donnée en crowdsourcing, c'est comme on respire. Et effectivement, dans les services administratifs, c'est plus compliqué. Donc, je vais vous passer le micro. C'est sympa. Et ben, je peux témoigner effectivement. Et effectivement, c'est plus ou moins compliqué.
dans les services. Lorsqu'une erreur est remontée sur un jeu de données, ça se passe plus ou moins facilement, ça prend plus ou moins de temps. Il y a des cas où les services réagissent rapidement et on peut mettre en ligne la correction rapidement. D'autres où c'est effectivement beaucoup plus long. Toutefois, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience au sein des services de l'intérêt en fait, de réagir rapidement, parce que c'est aussi leur intérêt d'avoir une donnée qui soit vraiment à jour. Et juste sur la... Voilà, c'est ça. Il faut vraiment le prendre comme une aide. Et juste pour poursuivre sur l'aspect contribution externe, du point de vue de Nantes Métropole, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, donc il y a une appli multiservice qui est disponible depuis quelques mois, qui s'appelle Nantes dans ma poche, pour l'instant dans sa version bêta, où il y a une possibilité de faire du signalement, notamment des signalements sur la voirie. Mais en fait, derrière tout ça, déjà d'une part, premier point, Nantes dans ma poche n'existerait probablement pas aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le projet Open Data avant, parce que voilà, il s'appuie, les services qui sont proposés dans le cadre de cette appli multiservice s'appuie sur les données qui sont ouvertes. Et en ce qui concerne le signalement, lorsque un utilisateur effectue un signalement d'un problème sur la voirie, eh bien en fait, les données sont directement déversées dans l'appli métier qui gère les problèmes sur la voirie. Ça veut dire que ça va être pris en compte très rapidement. Donc ça, c'est le premier point. Mais je dirais que c'est un signalement à caractère un peu négatif, c'est-à-dire qu'on signale un problème. Ce qu'on a dans le viseur, c'est aussi, entre guillemets, de faire des signalements plus positifs, de la contribution. Voilà. Et là, on se rapproche en fait, vraiment de l'aspect contribution au sens OpenStreetMap. Et voilà, c'est qu'on évolue aussi vers des outils, des moyens qui soient donnés aux utilisateurs, aux citoyens, pour voilà, enrichir les données qui sont mises à disposition. Et puis juste un dernier mot sur la récupération ou la contribution externe. Dans le cadre du projet Open Data, on mutualisé, donc on a avec le département et la région, on prévoit aussi de travailler sur le modèle de ce que fait Etalab, de la plateforme DataGouv, de travailler en fait à l'autorisation, à la permission en fait de permettre aux tiers de contribuer et d'enrichir en fait les données qui sont sur le portail. Ouais, très rapide. Je vais juste parler communautaire en fait, puisque moi ça fait 10 ans que je fais du développement en fait, et je suis core développeur d'un CMS. Donc je sais ce que c'est que contribuer à un logiciel libre. Et effectivement là, ce dont vous avez parlé, le signalement négatif, moi c'est mon quotidien en fait. Je reçois des bugs. Voilà, un bug, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il faut le corriger. Donc quand on anime une communauté comme ça, moi ce que je me suis rendu compte, même au sein d'une entreprise en fait, hein, puisqu'on va parler de communauté dans l'organisation, c'est surtout un accompagnement moral en fait, expliquer à la personne que sa manière de voir les choses n'est peut-être pas la bonne. Lui dire que quand on lui rapporte un problème, c'est pas un reproche, voilà. Et en fait, moi j'ai accompagné pas mal de développeurs dans cette dynamique-là pour leur dire, mais contribue. Et en fait, souvent, à la première contribution, la personne se casse les dents parce qu'il y a des gens qui viennent lui faire des remontées de problèmes sur sa contribution. Donc, bien expliquer que non, c'est bien plus enrichissant qu'on le croit. C'est pas des reproches. Faut accepter qu'il y ait des gens meilleurs que vous. Faut accepter qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, que vous n'êtes pas tout seul, en fait. Et voilà, donc il y a cet accompagnement-là à faire. Donc, quand on est déjà contributeur, on s'en rend même plus compte, en fait. Mais au tout début, si on se rappelle de ses premières contributions, on se rend compte qu'effectivement, oui, c'est vraiment une façon de voir les choses. Donc, la communauté, c'est un peu ça. Je crois que notre temps est écoulé. Donc, voilà. Je vous remercie. Ce fut très enrichissant.